Hello ma Disney Army, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je vous présente mon premier swap sur la chaîne puisque à l'occasion de Noël on a décidé avec Wapi de s'offrir un swap mutuellement, donc vous pourrez retrouver sur sa chaîne que je vais vous mettre en barre d'infos ce que moi je suis offert et donc nous ensemble on va découvrir le colis qu'elle m'a offert. Il y a donc 18 cadeaux puisque nous sommes le 18 décembre et c'est parti. Alors tout d'abord je vous montre l'énorme colis qu'elle m'a offert. J'ai ouvert effectivement mais je n'ai rien vu donc je découvre ça avec vous. Pour commencer, il y a trois petites choses, donc une lettre, le menu du swap et une petite note où elle m'écrit qu'elle s'excuse pour les cadeaux manquants. Elle a eu quelques petits soucis avec les délais de livraison mais elle m'a expliqué qu'en fait elle avait mis deux photos pour les deux cadeaux qui lui manquaient, donc on découvrira ensemble quand même ce que c'est et je les recevrai plus tard. Je vais commencer par ouvrir la petite lettre qui est juste adorable puisqu'elle a mis quelques petits éléments de Marie des Aristochats, surtout à l'arrière. Et donc elle m'a écrit... qu'elle m'a écrit. Quand tu n'arrives pas à ouvrir. Oh, c'est trop mignon. Déjà, elle m'a mis une carte de Peppermint, donc qui est mon court-métrage préféré Disney, et elle m'a écrit. Ma chère Aurore, coucou princesse. Oui, 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 je n'aime pas la princesse Aurore, alors j'ai décidé que tu seras ma princesse Aurore à moi. Je suis sûre que la Disney Army approuve. Bah, dites-moi ça dans les commentaires, les gars. J'espère que cette jolie carte d'un univers que l'on aime te plaira et te laissera un bon souvenir de ce swap. Je suis vraiment très contente de faire ce swap avec toi en espérant te rencontrer très vite. J'aimerais beaucoup te rencontrer aussi, enfin j'adore ce que tu fais et on s'entend super bien donc j'espère que ça se fera prochainement. Je suis toute excitée à l'idée de découvrir ce qu'elle m'a offert. Donc ça c'est la carte du swap qui est juste trop belle. Et dedans il y a une petite lettre alien avec donc le menu du swap et je vais découvrir ça avec vous. Le premier c'est toujours utile et mimi. Donc on va découvrir ça ensemble. Il faut savoir que sa mise en scène est vraiment trop mignonne. Déjà j'adore le papier cadeau. Alors c'est des pattes en forme de princesse Disney, donc il y a différentes formes. C'est plutôt mignon je trouve. J'ai jamais goûté donc j'espère que c'est bon. En tout cas ça a l'air plutôt sympa. J'aime beaucoup. Deuxième cadeau, il y a marqué sketch. Et là, j'ai aucune, mais vraiment aucune idée de ce que c'est. Ça a l'air plutôt assez lourd, donc je pense que c'est un bouquin. Ouais. Vu la forme, c'est un livre. T'es complètement folle. C'est un truc que j'ai sur ma liste depuis super longtemps, dans ma wishlist. Et en fait, c'est un carnet avec des sketchbooks et tout. Oh, il est magnifique. J'avais jamais vu l'intérieur, en plus je vous mettrai en close-up, mais c'est génial quoi. Pour un fan de Pixar, c'est vraiment la folie comme cadeau. En plus, elle aussi est fan de livres, donc c'est vraiment un cadeau qui me touche et qui me fait penser à elle quoi. Et il est absolument génial. En troisième, pour les plus belles courses du monde, je sais pas. Je suis pas très douée là-dessus, mais au toucher j'ai l'impression que c'est une assiette. C'est un peu bizarre pour les plus belles courses du monde, je sais pas. Ouais, je pense que c'est une assiette. Oh, elle est trop belle. Voilà, donc c'est la petite clochette. Elle est vraiment magnifique. Alors je sais pas où tu l'as trouvée celle-ci, mais elle est vraiment trop belle. En quatrième, repas de princesse. En fait j'ai deux étiquettes qui se sont arrachées. Du coup je me demande si ça c'est pas la 4 et ça le 3. On va le découvrir vite. Bah ouais. Du coup j'ai ouvert le 3 à la place du 4. Donc... pour les plus belles courses du monde, c'était ça. Et il est trop mignon avec les animateurs dessus. Donc vous avez tous les personnages animateurs. J'adore la fée Clochette. Je pense que tout le monde le sait maintenant. Il y a Réponse, Blanche-Neige, Pocahontas. Il est tout chou. Il est vraiment tout mignon. Et je suis sûre qu'il me sera utile en plus. En cinquième, Aurore is the Sleeping Beauty. Donc est-ce qu'elle m'a offert de la beauté? C'est bien possible. J'espère que tu vas pas offrir le DVD de la Belle au Bois Dormant. C'est un DVD, la forme c'est presque sûr. Et... oh, c'est le DVD qui explique comment est-ce qu'a été fait le film. Et là encore c'est un DVD que j'avais vraiment envie d'avoir dans ma collection. Enfin peut-être très forte Wapi. Et voilà, trop contente quoi. Parce que j'adore ce genre de DVD, j'ai que ça dans ma collection. Enfin j'adore et j'ai hâte de le voir. En sixième, nous avons pour ne plus jamais avoir peur du noir. J'aurais tendance à dire que c'est une lampe, une lumière, si j'arrive un jour. Ah,
Donc ça c'est un cadeau, bah, c'est l'un des deux cadeaux donc qui n'est pas encore arrivé. On en parle du sens du détail ou pas? Je porte la plus belle casquette du monde et en plus je t'éclaire dans le noir. Petit porte-clés lumineux Bob. Oh, il est trop chou. J'ai vraiment hâte de le recevoir pour le coup, j'adore Monster Academy. Et en fait le truc qui est un peu rigolo par rapport à notre amitié et par rapport à notre relation, c'est qu'en fait la casquette Monster University je lui ai offert quand je suis partie en Californie. Donc c'est un petit clin d'œil et j'aime beaucoup. En numéro 7 nous avons je suis un intrus obligatoire. Donc là aucune idée de ce que ça peut être. Je pensais aux aliens, mais vu que c'est un tout petit cadeau, je pense pas. Donc je n'ai aucune idée de ce que c'est. Peut-être un bijou. Je verrais bien un bijou là à la forme. Oh, alors, petit intrus parce que c'est Fury Nocturne de Dragon. Et c'est un collier, mais sublimissime quoi. Elle est. T'es vraiment trop forte quoi. Il est trop mignon. Là donc pour ceux qui ne le savent pas, Dragon est mon film hors Disney Pixar préféré donc, et surtout Croque-Mouf, hein, j'aimerais trop voir ça comme animal de compagnie donc je suis super contente. 8. Univers décalé. Je touche parce que j'ai aucune idée de ce que c'est. Je ne sais pas. Si vous avez des idées, surtout mettez-le moi dans les commentaires parce que moi je ne sais pas. Univers décalé. Est-ce que c'est encore autre chose qui n'est pas Disney? Ouais. Ah, c'est un tapis de souris. Il est magnifique. Référence à Ghibli, il est trop trop joli quoi. J'adore. Il va aller sur mon bureau celui-là. Je suis fan. J'adore, j'adore, j'adore. Bon, si je fais tout tomber, ça va pas le faire. Une priorité, je crois, non? Ouvrons le numéro 9 ensemble. Je pense que c'est un livre là encore. Donc ça doit être un livre qu'elle a vu sur ma wishlist. Mais alors lequel? Parce qu'il y en a beaucoup donc... Ça se voit que je suis contente. Hein. Donc là encore, c'est un livre que j'avais très 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 envie d'avoir dans ma collection. Il s'agit de Disney Facts Revealed, qui répond aux questions des fans sur les parcs, etc. Et j'ai vraiment hâte de le découvrir. Je pense qu'il n'est pas trop spécialisé Disneyland Paris, mais justement c'est intéressant. Et donc de ce que je vois, il y a un peu toutes les catégories, donc les films live action, les dessins animés, Disneyland, les courts-métrages et tout. Enfin, trop bien pour connaître tous les secrets quoi. Merci. Alors, on passe maintenant au 10e cadeau et je vous avoue qu'en déballant le swap, c'était celui qui m'intriguait le plus. Donc c'est celui-ci, il est vraiment trop joli. Enfin, je tiens à signaler d'ailleurs qu'elle est très très douée avec les emballages, ma Wapsi, contrairement à moi, enfin vous allez voir, c'est un peu la cata de mon côté. Le 10e, c'est hashtag râleuse. Je dois le prendre pour moi, ça? En tout cas, j'en connais une qui va s'éclater avec le ruban. Je crois que je peux déjà vous dire rien qu'au carton ce que c'est, je pense que c'est... L'ornement de Noël fée clochette dont je vous ai parlé dans ma wishlist et que j'ai hyper envie d'avoir. Et bah alors, pas du tout. C'est une autre clochette que j'ai pas du tout et que j'aime aussi énormément. Et donc c'est celle-ci qui est très 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 jolie et qui fait référence au film. Petit 11 pour ta déco avec un cœur. Alors est-ce que c'est pour mettre sur mon fond YouTube? C'est une petite poche, un truc pas trop épais. Est-ce que ça va être des autocollants peut-être? Je ne sais pas. Ah, c'est une carte. Une carte d'un court-métrage que j'adore là encore, qui est Lava. Ah, il y en a plusieurs en plus. Elle est géniale. Donc vous avez Lava, Pixar Planète des Very Shuttle, Mary Poppins avec Totoro, Dragon. Celle-là, elle est sublimissime. Woody's Coffee. Je pense que si Toon Studio Prod passe par là, ils vont être jaloux parce que le Woody est trop beau. Hein, Monsieur Toon? Et la dernière, waouh, qui est Russell et Carl de là-haut. Donc j'adore, magnifique. D'après ce qu'il y a marqué derrière, pour ceux qui se posent la question, ça viendrait de Redbubble. Donc un site qu'il faut vraiment que je teste en plus, parce qu'apparemment pour les fans Disney, c'est une véritable pépite quoi. Alors le 12, la légende c'est The Medicine Go Down, donc ça veut dire que c'est du Mary Poppins. Just a spoon of sugar, let the medicine go down, medicine go down, medicine go down. Ah, je crois que je sais ce que c'est, et si c'est ce que je pense, bah du coup je vais l'avoir en double.
le même que celui que j'ai. Et que je vous ai... Non, quoique, non, en fait. Je suis en train de douter, mais je crois pas. Parce que le mien, il y a un parapluie dessus, alors que là, il y a une cuillère. Donc ça doit pas être la même citation, il me semble. Double passion commune. Qu'est-ce qu'on a comme passion commune? On a les courts-métrages, on a Disney, on a Ghibli, on a l'animation en général. Je pense que c'est encore un livre, mais pas sûr. Ah non! Ah oui! Oh là 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 là! Il est trop beau! Je sais pas où t'as été chercher ça, mais t'es trop forte. C'est un carnet magnifique sur le thème de Paperman, qui est mon court-métrage donc préféré. Il est... Donc vous avez un côté avec la fille et de l'autre le garçon. 14. Jamais personne ne pourra m'interdire de rêver. C'est une citation de réponse et là c'est le deuxième cadeau du coup qui lui manque. Mais on va découvrir ensemble ce que c'est. Si j'arrive un jour, un joli rouge à lèvres, Cendrillon. Ah mais... Jamais personne ne pourra m'interdire de rêver, c'est pas Cendrillon. C'est pas réponse, c'est Cendrillon en fait. Ah bah bravo Aurore. Et il est trop trop beau. 15e. Je t'accompagnerai partout. Ah, je crois qu'elle l'a pas reçu non plus, celui-là. Ah oui, voilà. Si j'arrive un jour, je serai ton big héros pour chaque voyage. Alors, comment te dire ma chère Wapi? Je t'ai acheté le même dans une autre, dans l'autre forme disponible. Et j'ai hésité à me le prendre pour moi parce qu'il me plaisait beaucoup. Du coup, on est vraiment connectés, c'est dingue. Il est absolument génial. J'espère que tu t'es pas pris le même. 16e, pour tes futurs achats Disney. Ça a l'air assez gros. Je sais pas ce que c'est. Je crois que c'est protégé, donc à mon avis, c'est quelque chose de fragile. Et puis là, comme ça, j'avoue, je le vois encore moins. Un casque. Oh, c'est Bayonne! Énorme! Donc là on a un petit Pixar qui est trop trop cool et qui est trop chou. Il a la tête qui se déboîte. Ah, on peut tourner sa tête. Et voilà, Docteur Côte de Bord. Le 17, DIY up et une vilaine. Ah, trop bien! J'en faisais pas mal dans mon enfance de ça. C'est très tendance en plus maintenant. Mais à l'époque quand j'étais petite, personne faisait ça. Oh, c'est Kevin est une fille. Et la deuxième, c'est Madame de Trémène. Elle est toute chou aussi, j'aime beaucoup. Elle est très très bien faite, t'as bien réussi à prendre des détails et tout, magnifique. Et enfin, le petit dernier. Le rêve d'une vie, c'est l'amour. Donc là, ça c'est une référence à Cendrillon. Le dernier qui a une forme bien carrée là aussi. Alors est-ce que c'est un objet de collection? Ok, je pense que je sais ce que c'est là aussi. Il y a un carton, donc ça doit être du Disney Store. Et je pense que c'est l'ornement sketchbook de Cendrillon quand elle se lève de son lit. Oh, magnifique. Donc oui, c'est bien la suspension de Cendrillon. Et en fait, j'avais jamais vu le packaging puisque j'en ai jamais acheté de cette collection. C'est absolument trop joli. Et donc voici, ça se présente comme cela, donc avec Cendrillon dans son lit qui se réveille après avoir rêvé d'amour. Et bon bah comme Wapi c'est une folle dans sa tête, elle m'a fait deux petits cadeaux de plus. Il y a tout d'abord ce clear file des aliens de Toy Story qui est juste trop mignon et qui vient du Disney Store japonais en plus. Merci pour ce petit cadeau. Et le deuxième qu'on va découvrir ensemble, bonus coup de cœur héroïne moderne. J'ai pas envie de deviner ce que c'est, je pense que je vais laisser la surprise. C'est la Funko de Judy. Oh bah c'est trop mignon. Bah écoute, merci beaucoup ma belle. Voilà ma Disney Army, c'est tout pour ce petit swap. Enfin petit, énorme swap. Tout d'abord un énorme merci à ma Wapip qui m'a énormément gâtée. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos pour que vous puissiez aussi voir ce que je lui ai acheté. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne d'ailleurs parce que c'est une personne adorable et qui fait de très très belles vidéos. J'espère que ce déballage vous aura plu, je suis super contente de mes cadeaux, enfin c'est vraiment Noël avant l'heure, je suis super excitée quoi. N'hésitez pas à liker cette vidéo si ce swap vous a plu et si vous aimeriez en voir d'autres sur ma chaîne parce que ça peut toujours se faire. À partager, à commenter, à me dire ce que vous avez aimé dans ce swap. Et en attendant une prochaine vidéo, ma Disney Army, je vous fais plein de bisous. À demain, je vous aime. Bisous, bisous, bisous. Confiance. Abonne-toi.